10-15 km, je souffrais énormément. Je manquais un peu d'eau, un peu de nourriture parce que comme l'écart était très restreint, je n'avais pas accès à ma voiture d'équipe. Et lorsque ma voiture est arrivée, je ne pouvais plus prendre, je pouvais plus me ravitailler. J'étais trop près de la ligne. J'avais un peu les crampes, mais bon, c'est pas tous les jours que tu peux faire une victoire au Tour de France. Et j'ai vraiment mis tout mon cœur, tout ce que j'avais en dedans de moi. Puis, après, quand j'ai arrivé à 2 ou 3 km, j'ai vu sur le panneau que j'avais une minute d'avance, donc je savais que c'était bon. J'avais Steve Bauer dans la voiture qui me disait « Relax, relax, c'est bon, tu l'as », mais je voulais pas lâcher l'affaire. Puis à 1 km, là, j'ai vraiment réalisé que je suis en train de gagner l'étape. Un feeling de, incroyable. Quand j'ai vu dernier 500 mètres, j'ai pensé à mon frère. C'était mon rêve. C'était un rêve fou. Je savais même pas si j'allais réussir un jour à faire ça. Et aujourd'hui, je l'ai faite. Je rêvais d'avoir cette photo-là, un bras en l'air, avec regardant le ciel, pensant à mon frère. Et une journée de fou. Content. J'espère que ça va inspirer les prochaines générations. On fait beaucoup de travail dans cette direction-là, surtout avec l'équipe Premier Tech U23. On a mis un programme pour aider la prochaine génération du Go Roule. Donc, j'ai beaucoup de partenaires autour de moi qui ont à cœur que le Canada excelle. Donc, avec eux, je pense qu'on peut avoir un impact majeur. Mais pour être honnête, le fait que c'est une victoire historique, ça ne m'apporte pas grand-chose comparé à avoir claqué cette victoire-là pour mon frère. Ça vaut 300 fois plus. Je l'ai faite pour moi, je l'ai faite pour mon frère. Puis que je sois le premier Québécois, c'est magnifique. Mais à la fin de la journée, j'ai fait ça pour moi. Mon frère, puis c'est ce qui m'apporte tellement de bonheur aujourd'hui, c'est encore plus intense.